Famille royale d'Angleterre. Pourquoi le prince Louis n'a jamais accompagné William et Kate en voyage officiel? Les premiers voyages officiels du prince George et de la princesse Charlotte se sont effectués à l'âge de 8 et 16 mois. Le prince Louis, quant à lui, ne s'est pour le moment jamais déplacé en tournée royale avec le prince William et Kate Middleton. En cause, de nombreux problèmes d'emploi du temps. Pourquoi le prince Louis n'a-t-il jamais accompagné William et Kate en voyage officiel? Point. Être membre de la monarchie britannique implique avant tout de respecter un protocole strict et de multiples exigences de conduite, mais également de se déplacer régulièrement aux quatre coins du globe. Le troisième enfant des Cambridge, né le 23 avril 2018, n'a pour le moment jamais voyagé à travers le monde avec le couple royal. L'aîné pourtant, le prince George, s'est envolé avec ses parents à l'occasion d'un déplacement en Australie et en Nouvelle-Zélande en 2014 alors qu'il n'avait que 8 mois. Un voyage dans les traces de son paternel qui, seulement âgé de quelques mois, accompagne Lady Diana et le prince Charles en Océanie au début des années 1980. La cadette aussi, la princesse Charlotte, fait ses débuts en tournée royale au Canada en 2016, environ 16 mois après sa naissance. Mais alors pour quelle raison le petit dernier surnommé Baby Boss par les Britanniques et qui fait tant sensation avec son tempérament de trublion au cours de divers événements publics n'est-il jamais parti, contrairement à George et Charlotte de Galles? Point. Le 18 juillet 2023, le magazine Hello indique qu'entre la pandémie survenue 2 ans après sa venue au monde et sa scolarité, l'occasion ne s'est tout simplement jamais présentée pour le Royal Baby qui a fait l'une de ses premières apparitions publiques lors du jubilé d'Elizabeth II. Essentiellement resté au Royaume-Uni. Comme le rapporte d'abord le tabloïd américain, l'ensemble des voyages effectués durant les 2 années postérieures à la pandémie sont essentiellement des visites à travers le Royaume-Uni. La première véritable tournée à LE Accent Aigu étranger se fait en mars 2022 aux Caraïbes et se déroule durant une période où George, Charlotte sont à l'école Thomas Battersea et que Louis est scolarisé à la Wilcox Nursery School. Quelques mois plus tard, lorsqu'a lieu le voyage à Boston des époux en novembre 2022, les trois progénitures viennent tout juste d'entamer leur scolarité dans un nouvel établissement, à la suite du déménagement de la famille royale à Windsor et restent donc une nouvelle fois au Royaume-Uni. Tandis que le palais de Kensington n'a pas encore annoncé de visite à LE Accent Aigu étranger pour cette année, nul ne sait si Louis fera bientôt ses premiers pas en tournée royale.